59 ans, né à Saint-Claude, à Basse-Terre, père guyanais, mère guadeloupéenne. Je suis auteur, compositeur, interprète. Ma guitare, c'est ma meilleure thérapie en fait. Depuis petit, quand j'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais un peu paumé. Je prenais ma guitare, puis je jouais, puis ça allait bien. Ouais, j'écrivais aussi pour pouvoir libérer mon esprit. Il y a une vingtaine d'années, je jouais énormément, donc j'avais une rentrée suffisamment intéressante. Mais arriver ici, ça a été très très compliqué. Donc, compositeur, mais à mon niveau, quoi. Je compose mes chansons personnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des piano bars, tout ça. Parce que le piano bar, tu vas venir jouer, on va te demander de jouer telle chanson de telle personne. Et moi, je ne supporte pas ça, en fait. Oui, j'ai déjà fait deux singles. Hein. Un single qui est pas mal. Ça s'appelle Baby Love, c'est... voilà. Sinon, moi, j'ai fait mon premier single que j'ai autoproduit moi-même. C'est suite au décès de ma mère. Donc, ça s'appelait Limier à Kéa Moi. Mais j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait que 200. J'ai dit à sa scène que je faisais 200 seulement. C'était juste pour donner aux radios, quoi. J'étais pas dans le but de vendre une grosse production, parce que j'avais pas les moyens, de toute façon. Mais ma mère, donc, quand même, m'avait dit quelque chose qui m'a jamais quitté l'esprit, en fait. Elle a dit, tu aimes la musique, c'est bien, mais... la musique va pas te nourrir. Donc, moi, je te conseille, essaie de faire un truc, essaie de trouver un boulot, mais... Tu ne vivras pas de ta musique. Et j'ai un ami qui m'a inscrit à un concours à l'éducation nationale et je l'ai eu. Bon, ben voilà, je suis dedans. Voilà. En fait, l'histoire, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et moi, j'étais tout petit bébé. Et la copine de ma mère lui a dit, prête-moi ton enfant, je vais emmener voir quelqu'un. Donc, elle m'a emmené chez la femme de mon père, en fin de compte. Il y avait eu un enfant avec ma mère, mais qui était déjà divorcé. Il faut suivre. Hein. Donc, quand ma mère adoptive enfin, m'a vu, Elle a crié le nom de mon père en me regardant bébé. Elle a dit, ah, ça c'est Edgar, c'est Timna Edgar, ça. C'est l'enfant d'Edgar, cet enfant. Et elle a dit à la dame, si jamais un jour l'enfant la gêne, je ne sais pas, l'enfant sera le bienvenu chez moi. Et ma mère devait partir en métropole pour venir travailler. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez ma mère adoptive. Voilà. Et la première fois où j'ai dit le mot maman, c'est quand j'ai vu ma mère adoptive, puisque j'avais à peine 2 ans. Mais ma mère est revenue après, parce que je lui manquais beaucoup. Et puis, en grandissant, j'allais faire des vacances avec ma mère et mes petits frères du côté de ma mère. Et puis, enfin, j'ai fait le va-et-vient, en fait. Voilà. J'ai été déçu. Donc, du coup, ça m'a rendu comme je suis maintenant. C'est la musique, de toute façon, qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Même si je ne fais pas d'album comme avant, mais le fait de gratter un petit peu, de jouer de temps en temps, parce que je fais des petits trucs de temps en temps avec des amis. Donc bientôt j'aurai un petit concert avec Victor Delvert, je ferai une première partie avec lui. Donc non, je suis toujours dans le lien. Hein.